Ok, on reprend. Bon, je vais essayer de faire des épisodes plus courts. En fait, je crois que je vais juste record hors de chaque monde, c'est tout. Je vais essayer de pas dépasser la demi-heure. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, plus je fais des épisodes longs, plus il y a des chances que j'ai des problèmes. Donc, j'ai fait quelques petits mix avant le début de l'épisode. J'ai mixé la taille électrique. Non. Ouais, c'était les stocks glissés. J'ai mixé les stocks glissés. Et le glacier, ça m'a donné la taille gelante. Et j'ai rajouté un cristal apaisant, je crois. Et ça m'a donné la pétale garde. Pétale garde, c'est très pratique. J'ai aussi créé ça, mise à feu. C'est plus utile que ça en a l'air. Et en plus, j'ai mis un cristal fugace, comme ça j'ai un accélérateur mana. Ça me sera utile. Non, sérieux, je vous ai pas expliqué le mixage, je peux l'expliquer vite fait. Basiquement, vous mélangez deux trucs. Vous mettez un cristal et ça va vous donner une compétence à terre. Bon, là, je m'en fous. D'ailleurs, en parlant de ça. J'ai quoi comme thune? Je veux deux glaciers. Ouais. Deux pour l'instant. On verra après. Parce que je vais avoir besoin de ces glaciers. Pour l'instant, je vais virer ça vu qu'ils sont maximisés. Glacier, glacier, voilà. Bon. Oui, au passage, le meilleur moyen de se déplacer avec tous les persos, c'est de marteler le carré, hein, pour avoir... Ah, c'est vrai, tiens, j'ai oublié. J'oublie tout le temps ces conneries. Voilà, donc on a eu la glissade aérienne. Bon, pour l'instant, c'est pas hyper pratique parce que ça va pas très loin. Mais bon. Alors... bois. Non mais... Ah, il a disparu. Hein? Ça ne se rend pas compliqué, hein. Voilà. Oh, j'ai tué les ennemis dans la zone. Alors, mise à feu, ça fait des dégâts en fonction des HP de l'ennemi. Donc, du coup, ce sera utile contre certains boss qui sont vulnérables. D'ailleurs, le seul intérêt de cette commande. Ah, mon enfoiré. Oups, j'aurais dû garder mon coup de grâce pour tout à l'heure. Non, pas besoin de soins, c'est bon. Alors, next. Mais c'est chiant ça quand il vise le... Quand il vise le l'espèce de pot là. Au lieu de viser ce que je veux. Ah, ils sont déjà au niveau 2, c'est cool. Alors. Juste pour me faire un peu de thunes. Ah. Faire un peu de thunes, c'est pratique. Pas très doué pour viser avec les glaciers, c'est un peu, c'est pas très pratique. Ouais. Alors brasier extinction, ça aide à ce stade du jeu, honnêtement. C'est vraiment pas un mauvais truc. Hein. Ok. Bon, allez, on va faire le boss. Un boss qui, je l'avoue, est sympa, honnêtement. What are you talking about? I
ordered you to bring me Snow White's heart. Dekimasen. Watashi wa toikake ni shin. Il y a un problème avec les voix. Je me souvenais pas qu'il y avait ce problème dans cette dialogue. You will pay for such insolence. Bon, ok. Magic mirror on the wall. Consume this fool once and for all. Il y a un problème avec le patch des voix japonaises, bon c'est pas grave. Il y a au moins les sous-titres marchent. Alas, my liege, that I cannot do. I have no heart save answers true. Huh? You dare defy your queen? Bon, vous pouvez entendre un peu la voix anglaise quoi. Moi je suis pas fan du doublage anglais. Mais... j'aimerais bien qu'il refasse les VF dans Pierre Cash maintenant. J'espère que Cash 3 aura une VF, mais bon, j'y crois pas trop. Bref, donc on va affronter le miroir. What the fuck, mais bon. On se retrouve piégé dans le miroir et on doit affronter le miroir. Voilà. Ah, pas un combat difficile. Si on est prudent. Alors. Ok, donc. Voici. Faut essayer de trouver celui qui sourit comme ça et comme ça. Ah, whiff. Putain, j'ai whiff. Bon, ouais, voilà. Bon, cette attaque est chiante. Ah, sérieux? Là. Hop, allez, viens là. Hop là, parade. Allez, viens là. Voilà. Bon, vraiment pas un boss dur. C'est honnêtement un des boss les plus faciles du jeu. Le truc, c'est que toutes ces attaques sont assez faciles à prévoir et à esquiver. J'aime bien si t'écoutes bien les dialogues japonais, tu peux entendre des prénoms alors qu'il n'y a pas de prénoms dans les sous-titres. Donc je me demande s'il n'y a pas des erreurs de traduction en fait. Ouais, voilà, en gros, toute cette visite dans ce monde ne servait à rien. De toute façon, les mondes Disney ne servent plus à rien depuis Kingdom Hearts 2. Même depuis Kingdom Hearts Chain of Memory, en fait. Ah, donc on obtient une nouvelle quête. Bon. Je vais juste en revenir un petit peu après. Alors, attendez. Non, soyons d'accord sur un petit point. Ok, cette Kibed a un gros boost de force physique. Si vous utilisez l'attaque physique, c'est la meilleure. Et sérieusement, c'est quoi ce design? C'est quoi ce design de merde? Vraiment! Bon, enfin bref. Bon, next! Juste, je regarde un truc. Je vais utiliser le lien des Dakwa. Le lien des Dakwa, il est bien pour les ennemis aléatoires. On va avoir un combat contre des mobs dès le début. J'aime bien la musique de ce fight d'ailleurs. Je crois que c'est une des seules fois où on l'entend. On l'entend pas souvent dans le jeu, c'est dommage. Ouais, on est dans le monde de Cendrillon, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu. Ah,
Alors, je trouve que la musique est très bien, Ida, mais on l'entend pas souvent en jeu, c'est dommage. Ok, bon, petit combat aléatoire, enfin contre des mobs. Mob fight, comme dirait en speedrun. Oh, bande de... Oh putain. Voilà. Bon, mine carrée, mais en plus à ce stade du jeu, c'est vraiment pété. Hein. Et que le lien des aquas, il donne accès, donc vraiment. C'est ça qui est bien avec le lien des aquas, c'est qu'il donne accès à des commandes vraiment pétées à ce stade du jeu. Et si t'as de la chance, tu peux les avoir dès la Belle au Bois dormant. Voilà, vous connaissez le plot de Cendrillon, hein. La bonne fée va lui faire un carrosse avec une citrouille, et puis voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas les souris pour faire les chevaux et Jack pour faire le conducteur. Donc, basiquement, elle crée un conducteur et des chevaux. Par contre, je déteste la musique de ce monde. Une musique qui te rentre dans la tête. Putain. Mais croyez-moi, 5 minutes dans ce monde, vous allez l'avoir dans la tête tout de suite. Et surtout si vous faites les mini-jeux des chasses aux commandes. Pourquoi toujours le 12e coup de minuit? J'ai déjà cette musique dans la tête, ça m'énerve. Déjà que je suis pas fan de la chanson de base. Enfin bref. Parce que t'es aveugle et t'es un débile. Ouais, ça se tient. En fait, vous vous souvenez de cette règle comme quoi il fallait pas parler aux gens des aux habitants des mondes? Ça paraît loin. お城の舞踏会へ行ったわ。彼女の踊る姿を見れば、きっとあなたも夢を信じられる力を得るはずよ。
Bien. On reprend le contrôle. Alors, tout de suite, un petit truc que j'avais pas vu au tout début du jeu. La première fois que j'ai fait ce jeu, tu peux direct aller là et aller chercher quelques trucs avec Terra. Voilà. Notamment plein de sauvegarde. Il y a des mobs, évidemment. Toujours à pour casser les culs. Ah. Alors. Ouais, le brasier extinction vraiment à ce stade, c'est assez pété quand même. Oula. Au passage, c'est un des meilleurs finishes de début de jeu, je trouve, le finish de la tempête de feu. Alors là, on a un sticker. On a un tir visé. Ah, puis je crois que c'est tout ce qu'on a ici. Voilà, mais c'est pas à louper. D'ailleurs, sticker. Voyons voir où on est collé. Ah, tiens, j'ai oublié de coller celui-là. Bon. Bon, c'est assez obvious là. Les ballons, c'est assez obvious, tu les mets en l'air. Alors, celui-là, par contre, pareil. Voilà. Donc là, j'ai obtenu un cristal vibrant. J'en ai déjà droppé quelques-uns, donc c'est pas trop utile, mais bon. Attends, il y a combien de temps là? Bon, je finirai pas ce monde dans cette vidéo, mais on va avancer un petit peu quand même. Au moins fouiller la prochaine zone. Je sais plus si on peut rencontrer des ennemis directement ici. Non, pour l'instant il n'y a pas d'ennemis ici. Alors. Il y a des coffres ici. Et des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Non, ça c'est pas comme si c'était nouveau. C'est tout? Yeah, of course, non. Ah, allez. Vous allez tous crever. Je sais bien comment tu tues un ennemi de feu avec du feu. C'est logique. Parfaitement. Ok, eux ils sont chiants. Voilà, ils sont chiants pour ça. Voilà. On va monter pas l'escalier tout de suite, mais vous allez trigger la suite. Voilà, en plus, voilà, on avait un cristal vibrant ici, donc c'était vraiment pas utile le cristal vibrant que j'ai eu avec les stickers. On n'a pas un autre coffre? Non. La map qui sert à rien. Voilà. Et des ennemis. Au passage, j'ai un point de sauvegarde ici. Tant qu'il y a des ennemis, vous pouvez pas faire le point de sauvegarde. Vous voyez, ça commence déjà à devenir beaucoup plus simple. Ce jeu devient très facile, facilement. Très rapidement. Hop. Donc là, nous avons... Oh, encore vous. C'est un peu nul parce que j'ai pas de quoi leur faire perdre beaucoup de machin, mais bon. J'en ai tué un. J'ai eu le temps de le buter. Bon. Basiquement, en fait, là, ces monstres-là, ils vous donnent des ingrédients pour créer des glaces plus tard. Mais on reviendra sur l'utilité de ces dernières. Vraiment aucun problème ici. Si on a d'autres ennemis, tant qu'à faire. Vu qu'on commence à faire un peu de farm, autant faire le farm jusqu'au bout. Ah. Oh l'enfoiré, ils sont morts juste avant. Ah. Oh, reviens là. Qu'on est ok. Ouais. Bon, comme je le disais, je vais vraiment faire des épisodes courts pour pas risquer d'avoir des problèmes techniques comme la précédente vidéo. Et je me demande en fait si j'aurais pas dû faire ça pour FF12 aussi. Enfin, je verrai. Donc, malheureusement, on va arrêter l'épisode ici.
Ou alors, au pire, ce que je peux faire, c'est que je vais faire record deux vidéos et je peux les associer. Ouais, donc je vais voir ça. Pour l'instant, je vais arrêter cette vidéo-là ici. A tout de suite, ou à la prochaine. Salut. Ok, bon, on va reprendre exactement là où c'était arrêté. Les amis sont revenus parce que j'ai rechargé la partie entre deux. Bon, on va finir ce monde vite fait, et puis voilà. Lol. あなたはさっきも俺がやつらを始末する。君はここで待っているんだ。私も一緒に行きます。舞踏会に遅れてしまうわ。分かった。俺が護衛するが、やつらは危険だぞ。え、強いんだな。あなたが言ったのよ。心は強く持てと。そうだったな。 Bon, on va y faire le plein des pires trucs qu'on puisse faire dans un jeu vidéo, hein. Les missions d'escorte. C'est toujours chiant. Sérieusement, je ne... Bon, elle est encore facile cette mission-là, mais bon. C'est juste casse-couille, quoi, les missions comme ça. Jamais été un grand fan des missions où il faut que tu protèges des gens. Logiquement, votre seul vrai problème, c'est les gros ennemis. Bon, cette mission est simple quand même, faut pas abuser. Voilà. Pour une certaine raison, vous pouvez pas activer les liens D durant cette phase. C'est chiant. Voilà, double shot. Ouais, on est passé niveau 10. Bon, les premiers mondes sont très faciles. On a un bon pic de difficulté quand même à partir du quatrième monde, qui est la forteresse oubliée. Mais à part ça, bon, le jeu est pas hyper dur. Oh, ils sont chiants. C'est vrai, ils essaient de débuter pour avoir un peu d'XP. Oh là, elle est passée où là? Bon, eux, les bots sont vraiment casse-couilles. Je déteste les bots. Ils n'arrêtent pas de se mettre en parade comme ça. Oups. Ouais, je veux maximiser l'XP, donc je vais affronter tous les ennemis possibles. Ah, c'est vrai, j'ai gagné un nouveau coup de grâce, du coup ils ont changé mon coup de grâce automatiquement. Je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce que place? Hein? On les fait pop. Et on les bute en cinématique. Et ça, ça bute les ennemis. C'est assez drôle. Ouais, donc on gagne la riposte. Enfin, le contre après la parade. Oh, il y a un truc qui est très utile quand même. Puis voilà, on est au bal. ありがとう、テラ。ありがとう、テラ。
C'est un bal pas très animé, hein, n'empêche. T'as pas beaucoup de monde. Moi, tu me diras, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Cendrillon, je me rappelle même plus comment il est le bal dans la vraie, dans le film. Par contre, je me demande pourquoi ils ont pas mis le roi, c'était un personnage marrant. Trouve ça un peu con qu'ils aient pas mis le roi alors que t'as sa chambre. Enfin bref. La pire belle-mère du monde. Enfin bref. Sérieusement, Terra, tu peux transformer ta Keyblade en vaisseau. Fais attention au marais, ça. Il peut transformer sa Keyblade en vaisseau. Pourquoi il fait pas ça plutôt? Bon, enfin, c'est grave. Bon, on va prendre un peu ce qu'il y a là-dedans. Surtout, je crois qu'il n'y a pas d'ennemis dans cette zone pour l'instant. Et on va aller faire le boss et terminer ce monde. Mais si tout se passe bien, normalement, le boss, ce sera un vrai massacre. Je dis bien si tout se passe bien, mais bon, comme ce jeu a beaucoup de RNG, on peut se faire troller à tout moment. Alors, juste, j'en suis au niveau. Ouais, attends, j'ai mixé mes glaciers. Je sais qu'un cristal vibrant, ça va faire un pétale garde. Je m'en fous du pétale garde. On va essayer. Ouais, tiens, un cristal fugace. Voilà. Hop, ça va avoir encore un accélérateur mana. Tout ce qui est accélérateur mana et accélérateur, c'est génial. Voilà, juste pour que vous sachiez. Je vais vous brasier. On verra après si j'ai maîtrisé la tête gelante. Je remplace ça par un brasier. Alors, est-ce qu'il y a un autre coffre ici? Je m'en rappelle plus. Ouais, là-bas. Qu'est-ce que tu contiens? Une potion, on s'en fout. Ok, on a des ennemis. Voilà. Bord, c'était rapide. Ah, j'oublierai d'équiper la. Un truc chiant par contre, c'est quand vous allez dans le menu, vous perdez votre style de commande actuel, c'est un peu con. Voilà, contre-puissant. J'ai oublié de le mettre. Si je le mets pas, ça va pas trop le faire. Mine de rien, ça fait quand même bien mal. Ah oui, tiens, j'ai oublié encore un truc. Tout ça. Désolé pour ça, j'ai eu une petite interruption. Bon, on est reparti. Oh. Bon, ils sont vraiment chiants à tout parer. Ah. C'est bon. Alors là, ce que je vais faire. Pour plus tard. Voilà, ça servira plus tard. Quoique je. Bon, ouais, je vais le mettre maintenant, tiens. Je vais le mettre à la place de ça. Un brasier. À la place du brasier, exfiction. Aimant. Et puis voilà. Ouais. Ah, genre aussi, il y a un dé. Bon, si tout se passe bien, ce boss va être très facile et va être très rapide. Je dis bien si tout se passe bien. On va sauvegarder quand même au cas où. Ouais, on va encore utiliser le lien des Ventus. Ah, j'aurais dû changer de type, mais bon, c'est pas grave. Pour un point fort, je pense pas que ça va faire une grosse différence. Ouais, le boss est un chef d'orchestre.
La question se pose encore, comment il a fait? Bah, comme tous les gardes de RPG, ils ont disparu au mauvais moment. Allez, c'est parti. Encore un boss de génie. Voilà. Une vraie merde. Une vraie merde. Voilà. Ça, c'est réglé. Voilà, je le dis. L'indé de Ventus en début de jeu, c'est génial. C'est absolument mortel contre les boss. Grâce à la convoyance accélérateur. いつもこの国は Ok. Enfin, l'icône, elle aurait pu lui dire son nom quand même. Mademoiselle, señorita, au matchください. ベンが旅立ちの地を出てしまったの。ベンが?ベンはあなたを追いかけていったみたいだけど。そういえば、俺が旅立つとき、あいつは何か言おうとしていた。ちゃんと聞いてやればよかったな。そう。ところで、マスターゼアノートの行方は分かった? 純粋な光の心に関心を持っているらしい。純粋な光の心。この世界にマスターゼアノートは現れなかったようだ。そう。私はもう少しここで調べてみる。だったらこの先の大広間にいる王子に話を聞いてみる。分かった。アクア、俺たちの夢を覚えているか? Ah, la belle leçon de morale. Tu n'as pas aidé. T'aurais pu aller le voir dès le début, ça aurait été plus facile. D'ailleurs, pourquoi tu vas voir Maître Yancy? Tu pourrais tout simplement aller voir Arrakus. Ah, enfin bref. Faut pas questionner trop le scénario de ce jeu. Bon, on va aller dans un endroit connu, hein, si vous avez fait Knarz 2.
La tour de Yensid, ou la tour mystérieuse dans Kingdom Hearts 2, ça dépend. Avec toujours la même musique. Ok. Ok, ne nous posons pas plus de questions que ça. Ouais, bon, on sait que c'est la tour mystérieuse, pas besoin de nous sortir le titre. Alors, on va prendre des coffres. Un petit soin, cool. Des ennemis. On va peut-être dû remettre le brasier d'exfiction. Voilà, encore une fois, aimant s'est pété contre les balles. Par contre, je les aime pas. Bon, c'est vraiment des ennemis faciles ici. Il n'y a que cette zone-là qui a des ennemis dans ce monde. Monde avec pas mal de guillemets, hein, parce que bon, c'est qu'une tour. Elle a pas se sentir un peu seule, Yensid. Enfin bref. Bref, on obtient la carte. Je sais pas trop à quoi ça sert, vu qu'on a que 3 zones, mais bon. Alors c'est dans cette magie. Non, je crois que la carte doit être là-haut. Il y a toujours une carte. Attends, je vais voir. Et en fait, dans ce jeu, c'est très facile d'XP, parce qu'il suffit juste de sortir de la zone pour que les ennemis reviennent. Donc, vraiment. Il n'y a aucune difficulté à XP dans ce jeu. Allez. Bon allez, on va continuer le scénario, on va pas XP trop. On va pas trop XP. Ah allez, tiens, c'est vrai, j'ai gagné un... contenu JDC plutôt. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais en fait, dans cette version, en fait, le truc c'est qu'en mode critique, vous avez 2 emplacements de JDC en plus dès le début du jeu. Du coup, ça aide. Bon, je vais remplacer ça par le soin, du coup. Hop, le soin que je viens d'obtenir, comme ça je vais le développer. On va avoir un soin plus tard. Juste, ouais, j'ai mis 2 accélérateurs mana, c'est bon. Avoir des accélérateurs, ça aide. Oui, j'en ai déjà 2, je sais pas si vous avez vu à quel point le Glacé Plus sera chargé vite. あなたの知識と検察を伺いに参りました。それはどん?マスターが要する。わしはもう退いたのだ。しかし、先ほどあなたのお弟子様とすれ違いました。彼はキーブレード。ミッキーか。あれには困ったものだ。まだ修行も済んで Typique Mickey. Quand tu me diras, Mickey, il a jamais été aussi badass que dans cette série. Pourquoi Ambers est venu? Non, sans blague, Captain Obvious. Mais bon. Pardon.
C'est un peu ce qu'il essaye de faire depuis le début du jeu. Oh, le scénario de Terra est juste mauvais. Franchement, le scénario de Terra est juste mauvais. Et Ventus et Aqua sera un peu mieux. Ils ont pas mis les voix japonaises pour cette scène-là. Moi, tu me diras. Il n'y a que trois lignes de dialogue. Enfin bref. Bon, donc on va aller à cet endroit là-bas. Et vous savez quoi? Bah, on va s'arrêter là. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie de faire des épisodes très longs. Puis ça diminuera les chances que j'ai des problèmes techniques. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Et alors je vous dis à la prochaine. Salut!